dit que la mort ça est capable de permettre ça capable permettre nous ressaisir nous moi ça capable permettre nous réconcilier avec tête nous toute communauté internationale là partager sympathie yo, peine yo, tristesse yo, depuis Vatican en passant par le Canada, Washington, l'Europe avec famille Jovenel Moïse. M'a profité pour me demander yo puis on met tête ensemble pour que une grosse enquête internationale capable de faire lumière tout bon sur la mort ça. Mandé communauté internationale là pour que yo ouvri une enquête internationale sur la mort Jovenel Moïse. Ça nous est, c'est pas ça. Ça nous tendait, c'est pas ça. Le président Jovenel Moïse a été livré le 7 juillet 2021. C'est mon balle sécurité. Comment pour les gens qui ont la sécurité, qui ont livré le président, faut qu'ils reçoivent l'ordre, faut qu'ils reçoivent l'instruction. De peut-être supérieur hiérarchique immédiat, mais instruction politique qui baille tout pour livrer le président. Parrain président, livrer. Parrain président, livrer le 7 juillet. Comment on est capable d'expliquer une telle tragédie? Quand il veut, ce Jovenel Moïse lui-même, pas vivant encore, c'est mort. La première fois, il a parlé de mort, de cadavre là. C'est la mort qui portait une haine sociale, une intolérance. C'est ça la mort portée. Ce n'est pas le peuple haïtien qui n'est pas d'accord avec Jovenel Moïse qui le prend dans le palais. C'est les fils de Rochambeau, les flibustiers qui payaient des mercenaires avec les collabos, les politicards, pour assassiner Jovenel Moïse Lacaille. Humilier le peuple haïtien, pour humilier Bossalio, parce que Jovenel Moïse. C'était un petit bout sale, peut-être intriguant, désordre, que vous n'avez pas jamais accepté. Mais, Jovenel Moïse payait contradiction. Contradiction politique pays. Jovenel Moïse payait tout. Mission li, malgré pas de l'État encore, mais il était passé à côté. C'est le prix de l'insécurité, de la criminalité, de l'impunité. Parce que j'ai toujours dit président, pas de l'État, il faut que nous recommençons à reconstruire l'État. Dans le moment où Jovenel Moïse mourir, c'est énième haïtien qui mourit. Donc il y a des haïtiens, pays a été déjà en deuil. Parce que nous-mêmes qui sommes dans l'État, nous n'avons pas fait de travail. Nous sommes passés à côté de mission. Nous. Conséquence d'arrivée dans la chambre Jovenel Moïse. A fait justice dans le pays ça, a fait sécurité dans le pays ça. L'homme on a parlé de ça. Parfois, on passe dans la tête et on dit fou. Institutionnel, pas de fonctionner encore. La police est écrasée, tout bon. Était de l'intendance, ni côté politique, ni côté flibustier, pour remplacer la police par des chefs de gang. Chefs de gang, ils font la loi dans le pays, et chefs de gang, ils arrivent dans la chambre du président Jovenel.
C'est le prix de l'impunité. Il y a un ancien sénateur qui t'a annoncé qu'il a mangé, qu'il a tué. Mais si j'approche de la justice d'un kato, pas t'a capable d'annoncer la mort de Jovenel Moïse. Si Jacques Roche te gagne justice, si Dominique te gagne justice, si Timoun Nassaligno te gagne justice, Reginald Boulos pas t'a capable d'annoncer assassinat de Jovenel Moïse. Si tu as une commission de vérité, j'aime toujours demander au président depuis 5 ans, Dimitri Vob, tu as annoncé la mort de Jovenel Moïse. Et si le président a eu le courage tout bon, pour au moins te amorcer le procès de Petro-Caribé, par un ni pas de calivril. Je dis à ce moment-là, nous y est. N'a payé, peut-être ça nous fait. Mais crime, ça, c'est leçon pour nous tirer de lui-même. Ce n'est pas bataille pour nous continuer la bataille avec tête, nous. C'est un crime qui est conséquence. C'est énième crime, parce qu'il faut nous parler de tout ça que fait. Tu. Mais ça, c'est un président de la République qui est des flibustiers payés. Pour yon al, prend président, assassiné, humilié, dégradé dans la chambre. Mercenaire yon te gagne double garantie. Première garantie, mercenaire yon te gagne, yon te bao garantie que moun soit disant kap ba président sécurité, pap même gade yon. Et yon pour recevoir un dernier message. Et sur toute vidéo, nous voyons comment. Effectivement, il y a un message là. Il y a une autre garantie. Il dit, peuple haïtien, pas le Jovenel Moïse. Le nous tuer, nous mettons, peuple pas le prendre la rue, c'est la fête. C'est la fête, bandit, il y a un homme là pour nous. Il y a une fête populaire. C'est deux garanties ça, mais c'est là où il y a un. Dieu Jovenel, pas que le monde parle pas. Tout le monde baisse de bas, c'est bezé que problème. Après nous fin assassiner, rit nan fête là. Rit nan carnaval, pas le carnaval pour tout pays. Alors bon Dieu était là. Bon Dieu était là. Ça qui fête là, peuple haïtien, génération ça ou pas habitué avec ça. Ou pas habitué avec ça. Peuple haïtien habitué avec contestation, avec révolte, marcher devant palais, mobiliser pour voir le président aller. Génération ça, c'est ça le connaît. Mais entrer dans la caille du président, dégrader, humilier, assassiner, parce que c'est un petit beau sale, nous pas au Proche-Orient, nous ne sommes pas habitués à ça. Nous pas en Syrie, nous ne sommes pas habitués à ça. Nous pas en Liban, nous ne sommes pas habitués à ça. Pas passer par quatre chemins pour être auteur intellectuel. Moun qui commandite, moun qui paye, moun qui exécute, moun qui permet que infiltration, pénétration en fait jusqu'à ce que vous arrivez dans la chambre président, nous tous connaissons. Président responsable tout, cadavre la responsable. Président te connaît moun qui livre la tenue de trafic ZAM. ZAM ça tue en pile haïtien. Jusqu'à ce qu'il tue le président. Nous te qu'on dit président, moun kap fait trafic d'armes, trafic munitions, c'est la kaili moun sa oui. Président te têtu, nous tout te qu'on ça. C'est armes qui sorti dans l'entourage président qui tue le président. C'est pas l'autre monde. Le président a été livré. Le président a été livré. Devant la situation, c'est encore une fois, maintenant des peuples haïtiens. Donc, dit tout ça, nous voulons des Jovenel. Nous sommes capables d'exagérer
Là, on a parlé de Jovenel. Jovenel a eu le courage pour te toucher. Maintenant, tout le monde qui t'a assassiné de Saline. Groupe social qui t'a assassiné de Saline. Groupe social, ça, qui a pratiqué une politique d'apartheid en Haïti. Jovenel t'a touché au du doigt. Il t'a dit, dimanche, la pour dans lundi de dimanche, il répétait 7 noms au bon moins. Nous, tout connaît, il répétait pas tout le monde. Mais sauf que il pas connaît si parrain ni, t'es dans quoi? Ou bien il te lâche tout. Il pas de connaître si, il pas de courage assez, comme être humain, pour le dire parrain ni là tout. C'est même, yo même. Pour l'argent, pour pouvoir. Depuis quelques années, il y a un groupe de peuple à ZAM pour tuer l'autre et pour tuer le peuple haïtien. Pour détruire l'économie haïtienne dans les classes moyennes. Depuis quelques années, c'est ça qu'on fait. Depuis quelques années, il y a un politique à COB, les politiciens, politica, politiciens, les collabos, nos politiciens. Ce n'est pas seulement de l'opposition, du pouvoir et de l'opposition. Je dis à fond, nous, clair. Peuple haïtien, ça passe. Jovenel, dans la contradiction, il fait nous éclair. C'est ça pour nous retenir dans ça passe. Dans la contradiction, qu'elle t'a bien, il fait nous éclair. Mais ennemi nous. Je dis à nous qu'on est ennemi nous. Est-ce que Jovenel a fait justice? Souhaitons-le. Mais nous connaissons. C'est pas ça, ça pas dans la tradition nous. Ça n'a pas de tradition. Et si moun te habitué à justice, et si journal te fait assez pour ba moun justice, peut-être n'est-ce pas arrivé dans la chambre. C'est pas non seulement journal pas de ba sécurité, il pas de ba tête ni sécurité tout. Il n'est responsable sécurité. Il était toujours comprendre par ennemi qui était responsable sécurité. Il paye sa chair. Encore une fois, je profite de l'occasion ça pour me dire nous, ça qu'a fait là en Haïti jusqu'à présent, ce n'est pas politique lié. Nous tuer politique là déjà. Nous tuer politique là déjà, la mort Jovenel, c'est conséquence là. Tout le monde qui mourit avant Jovenel, c'est conséquence là. Et il y a l'autre bagaille qui va le passer encore. Maman des peuples là, pour être tête frette. Pour aider dans la prière, famille Jovenel Moïse. Pour le prendre courage à deux mains tout, pour y aller mettre Jovenel Moïse dans la dernière demeure. Et pour nous tirer les leçons de contradiction, Jovenel Moïse, pour nous capables de reconstruire le pays. Je vous dis merci. Je ne vais pas retourner sur la question de parrain, mais ce qui est arrivé encore dans le pays, c'est que je dis à nous avons un pays qui n'a pas d'institution. Nous avons un pays qui n'a aucun monde qui a dirigé. Pas de président de la République, pas de président de la Cour de cassation, pas de président de l'Assemblée nationale. Tout reste monde en bas, dans le deuxième niveau, ils ont tout haï. Ils ont venu avec un bail nouveau là. Il y a un premier ministre qui a rentré, porte pas ouvert. Il y a un premier ministre qui a sorti, porte pas ouvert. Jovenel mourit. C'est dans ce sens-là. Donc, toutes conditions réunies pour voisins, grand voisin dit, bon, là, mettez un peu la paix. Pendant que cet homme a souhaité, 10 sénateurs qui là, avec les juges de la Cour de cassation, ils ont réuni rapide au presto. Non seulement pour funérailles, président mérité funérailles. Gros funérailles. Mais maintenant, pour faire des propositions dans le cadre des dernières recommandations de l'OEA. Pour limiter les dégâts. Non, gros voisin, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis déjà là. Même dit cette fois-ci, au moins, pas faire maounage. Pas faire maounage. Pas faire maounage dans le micro-ball conduit nous. En Chita. Non, nous ne sommes pas là, nous sommes tous dans le baptême.
Le président a été livré. Nous tous là, nous connaissons dans l'école. Oui, mais livré par qui? Hein? Non, mais nous tous connaissons, le président a été livré. Et les gens qui t'ont gardé, qui t'ont président de sécurité, ils ont des sous tête. Les gens qui sous tête, les mêmes, ils recevaient l'ordre, ils recevaient l'instruction. Ils n'ont pas livré le président de son propre chef. Non, mais là, je pense que le mot président Jovenel a supposé servir de balise. Parce que ce que nous suspendons, nous faisons bien tout pour nous cacher nos bruits. Nous sommes tous à l'heure avec 7 noms, président Jovenel, c'est bon ou pas? Non, je pense le plus important. Bah, les deux plus importants qui étaient dans la lutte ouverte avec le président, c'est Dimitri Vob, c'est Reginald Boulos. Et Reginald Boulos, pas de jambes cachées que mon cher Jovenel l'a examiné. Dimitri Vob, pas de jambes cachées ça. Et son porte-parole qui dit, par peut-être ignorance qu'elle s'effraie, et Dimitri Vob, le sénateur, malheureusement sénateur, Don Kato, hein? Il a parlé là, je vous dis, il a annoncé ça. Mais encore, tout ça, c'est l'impunité. Tout ça, c'est l'impunité. Hein? Tout ça, c'est l'impunité. Don Kato, pata. Je dis, président, ça. Je dis, président, il faut faire une commission de vérité pour que la paix dans le pays. Là. Tout le monde qui liquide l'entreprise de l'État, yo. Tout le monde qui est en contrebande, tout le monde qui est en trafic d'armes, munitions, président, il est contre tout. Naturellement, c'est être humain. Il était gain courage seulement pour le dénoncer quelques-uns, mais il n'est pas capable de faire le bon coup. Le bon coup, jusqu'à aujourd'hui, c'est la commission de vérité. La commission de vérité, elle va permettre que nous comptons qui est ce qui conduit nous là. Nous fixons les responsabilités, et puis après, nous faisons la réconciliation nationale. Il faut arriver à réconcilier tête nous. Mais le système d'apartheid, là, il traite nous comme petits esclaves. Malheureusement, la misère fait que un paquet de jeunes intellectuels, ou bien des jeunes garçons, des jeunes filles, hein, qui contribuent à enterrer le dossier de Petro-Caribé. Le dossier, ça a contribué à tuer Jovenel tout, parce qu'il n'y a pas de bail justice de Petro-Caribé. C'est ça, c'est une contradiction. Mais il faut tirer le son de la mort, président, et ce n'est pas le moment, quand il y a là toujours, pour nous commencer avec des polémiques, c'est sûr. Lutte là pour elle continuer. Parce que tout ces ouvertures étaient mes racines profondes. Dessalines de dit, et nous-mêmes qui sommes en Afrique là, si nous ne pas gagner, nous je dis à nous, système d'apartheid là pour elle finir bientôt. Et maintenant, on y a le dia, c'est le moment pour nous commencer à ressaisir nous, pour nous préparer maintenant les funérailles du président. Et ensuite, nous tous élever la voix, nous pour nous dire blanc, communauté internationale là. Pas de justice en Haïti, où tu es comme ça longtemps, aidez-nous faire lumière sur ce qui est passé. C'est ça, une enquête internationale. Je vous en remercie. Le président, là, moi, même, le président, vous voyez, il ne peut pas prendre n'importe comment. C'est même avec ça, il dit, non, attends, pour moi, le président, pour me dire qu'il est là, dans plusieurs postes, le président a été livré. Merci beaucoup.